L'avertissement émis par l'ambassade de Chine dans les pays que vous avez mentionnés dit explicitement que c'est une mesure temporaire que la Chine doit prendre en réponse à la situation actuelle de la pandémie. La Chine a appris des pratiques de nombreux pays et a adapté son approche aux personnes impliquées. Ceci est raisonnable et en accord avec les pratiques internationales. Je pense que cela est compréhensible par tout le monde. En fonction du changement de situation, les ambassades de Chine dans les pays concernés émettront des avertissements en temps opportun.